Hello tout le monde, c'est Enora 22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Turnip Boy Commits Tax Evasion, un jeu développé par Snoozy Kazoo et édité par Graffiti Games. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Turnip, c'est 37 succès dont la majorité avec des collectibles manquables en lien avec des documents à déchirer. Mais pas de panique, je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Et on commence tout de suite avec notre premier succès qui s'appelle Tax Evader. Il vous suffit tout simplement de déchirer le document afin d'obtenir ce succès. D'ailleurs, tous les documents que nous trouverons à travers le jeu seront à déchirer pour débloquer les succès. Voilà, et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons nous rendre au bois de la Baston pour aller recueillir notre épée. Vous verrez, elle nous sera bien utile. On va maintenant récupérer notre deuxième document qui est à déchirer, ça s'appelle Most Wanted. Alors, chose peu banale, l'épée pousse dans une plante. Vous voyez que pour pouvoir récupérer cette épée, il va falloir d'abord l'arroser. Et pour cela, il nous faudra prendre l'arrosoir. Je vais vous montrer où c'est. Thank you.
Donc, pour le prochain succès, il nous faudra donc arroser cette fameuse fleur. Vous utilisez la touche B, B pour utiliser, pas pratique d'ailleurs. Et ensuite, vous allez parler à ce fameux monsieur, à cette fameuse myrtille plutôt, pour lui dire que voilà, on a recueilli la fleur. Il y aura un échange entre la myrtille et la fraise, et puis à un moment donné, une lettre d'amour sera donnée, et nous devrons donc la déchirer. Non, effectivement, c'est pas très gentil. Hein. Si ça se trouve, on a gâché une belle histoire d'amour potentielle. Nous allons maintenant reparler à la fameuse myrtille. Cette myrtille va nous donner un chapeau. Et c'est ce qu'il va falloir aussi collecter. Il y a 9 chapeaux donnés à travers le jeu qu'il faudra donc récupérer. Et ça, c'est le tout premier que nous avons dans notre collection. On va maintenant pouvoir aller arroser notre fameuse plante et récupérer notre toute première arme, l'épée d'appendage, qui en plus nous donnera notre prochain succès. Ici, on va vraiment pas être cool puisque pour notre prochain succès, on va devoir tuer le pauvre Jerry, récupérer son loyer et le donner à la myrtille qui est juste là à l'entrée. Ouais, on n'est vraiment pas sympa, hein. Thank you.
On va maintenant aller fouiller la poubelle afin de dénicher notre prochain document que nous allons pouvoir déchirer. Enfin, succès où il ne faut rien faire. Ça, c'est top. Pour le prochain succès, on va interagir avec la reine du 93 et le vendeur de sandwich. Nous allons non seulement obtenir un autographe que nous allons encore une fois déchirer, mais également un chapeau. Voilà, donc notre petit navet va apprendre une nouvelle mécanique concernant les combats, à savoir les bombes. Alors pour l'heure, on va juste arroser deux fois la bombe et voir qu'effectivement, eh bien, vous n'avez pas intérêt à vous tenir trop près. Mais par la suite, on va récupérer un élément indispensable, à savoir des chaussures qui vont nous permettre ensuite, grâce aux pieds, de balancer la bombe bien loin et de pouvoir ainsi viser nos ennemis sans trop de dégâts nous concernant. Donc voilà, vous récupérez les fameuses bottes boum boum. Ces fameuses bottes donc vont nous permettre de lancer la bombe un peu comme un ballon de foot dans les quatre directions, en haut, en bas, gauche, droite, et ainsi pouvoir viser nos ennemis. On continue donc notre périple et on va partir sur la droite. On va vraiment devoir explorer cet endroit de fond en comble afin de tuer un cochon. Et surtout affronter le grand boss qui est, bah, vous l'aurez deviné, un gros cochon. Voilà, donc pour ce faire, vous arrosez la petite bombe et puis tout simplement avec votre joystick, vous décidez de où vous voulez l'envoyer. Donc ici en l'occurrence en avant. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment comme un ballon de foot et vous pouvez l'envoyer dans les quatre directions précitées. Ici sur le bureau du maire, donc vous trouverez un livre que vous allez évidemment déchirer, ce qui va vous permettre d'obtenir le succès Bookworm.
On va donc affronter notre premier boss, le gros cochon comme je vous l'ai dit. La mécanique de ce premier boss est assez simple, il suffit simplement d'éviter le roi des cochons lorsqu'il nous charge, il devient en rouge pour cela, et ensuite simplement vous lui donnerez des coups d'épée si vous le souhaitez, ou bien si le cœur vous en dit, vous pouvez lui balancer des bombes, c'est vous qui voyez. Le but c'est vraiment l'esquive et ça va être la clé pour affronter ce premier boss. Voilà, boss terminé. Alors, je m'excuse, hein, l'exemple n'est pas forcément la plus fameuse hein, pour avoir rejoué le jeu une deuxième fois. C'est beaucoup plus rapide, effectivement, avec l'épée, parce que dès que le cochon marche sur la bombe, ben, en fait, il vous élimine votre bombe. Donc ça, ma foi, ben, c'est comme ça. N'oubliez pas qu'après chaque boss, il y en aura 4 au total, il y a des cœurs à amasser. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un succès en lien avec le fait d'avoir tous les cœurs. Pour ça, et ben vous arrosez le cœur et ensuite, hop, dans votre poche. Donc là, nous avons ramassé l'engrais dont le maire a besoin. On va pouvoir revenir en arrière et lui donner cet engrais afin qu'il nous donne la mission suivante. On va reparler à Reine du 93, elle va pouvoir nous donner notre fameuse couronne, chapeau dont je vous ai dit qu'il faut ramasser afin d'obtenir le succès en lien avec tous ces chapeaux. On va juste aller voir le monsieur avec le bois et comme ça nous pourrons aussi terminer cette mission. Sous le bois qui brille se trouve un cœur supplémentaire, donc tout simplement on va arroser les bombes, puis ensuite suivre un peu le trajet pour faire exploser cette fameuse caisse centrale. Thank you.
là, nous allons parler à Poivrino qui va donc nous remercier de lui avoir permis de vendre un sandwich auprès d'une influenceuse et donc nous donner un livre et nous permettre d'obtenir le succès Computer Whiz que nous avons évidemment déchiré. Suite à ça, on va retourner dans l'établissement et donner le bois à la personne qui nous l'a demandé. Nous allons maintenant donner l'engrais au maire Oignon et ainsi pouvoir débloquer la prochaine mission. Nous allons maintenant fouiller la poubelle afin de trouver une toute petite carotte qui est perdue. Cette petite carotte perdue, on va la ramener à sa nounou et cette dernière, pour nous remercier, va nous donner un tabouret. Ce tabouret va ensuite nous permettre d'atteindre en hauteur l'étable afin de pouvoir continuer notre mission.
Pour placer le tabouret, appuyez simplement sur A et vous pourrez ainsi accéder à l'établissement suivant, à savoir la ferme fantôme. Dans cette ferme fantôme, il y aura plusieurs petites missions, dont justement de collecter certains objets. Donc on va tout ramasser, comme ça on est sûr et certain de tout rapporter. Nous voici donc dans la fameuse boîte à glace où plusieurs missions ont lieu. Et puis dans cet endroit aussi, il y aura la distribution de deux chapeaux. Et bon, ça, nous le verrons plus tard. En tout cas, sachez que quand on parle de boîte à glace, c'est ici.
Grâce à la clé, nous allons pouvoir récupérer le dernier élément, le pot de médicaments, et ensuite le donner à l'infirmière pour qu'elle puisse nous donner une seconde clé et ainsi déverrouiller la porte qui se trouve tout à droite. Ces fameux gants à cube oula, imprononçable. Gants à cube curcurbitacées. Bon, bref. Voilà, ces fameux gants vont nous apprendre désormais à pouvoir pousser les pastèques et à les mettre comme sorte de plateforme dans les trous du plancher. Donc pour ça, pareil, vous arrosez la pastèque et ensuite tout simplement vous la poussez. Nous allons maintenant pouvoir ramener la petite cerise qui est perdue et obtenir ainsi la clé pour nous permettre de déverrouiller la porte qui se trouve juste en bas à droite.
Dernier collectible avant d'affronter le prochain boss. Vous verrez, il a une mécanique un peu particulière. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Pour le prochain boss, il faudra avoir l'œil partout. Vous verrez au centre, il y a des bombes, mais elles sont entourées de trous dans le plancher. Vous devrez donc y placer des pastèques pour les combler. Mais il faut en même temps éviter le chat qui tournoie et les vers qu'il vous envoie. Donc vous verrez, ça prendra du temps malheureusement. Vous faites au mieux, mais voilà, c'est l'astuce afin d'accéder non seulement aux bombes, mais aussi pouvoir accéder au chat, parce que vous verrez que quand il s'arrête, généralement il s'arrête plus au centre de la pièce. Donc vous le voyez ici, une fois que j'ai placé le nombre suffisant de pastèques pour ma part, je me mets dans le coin de la bibliothèque. Vous voyez que quand le chat tourne, eh bien il n'arrive pas à me toucher, donc c'est plutôt bon signe. Ensuite, une fois que le chat est à l'arrêt, à vous de décider, c'est soit vous lui balancez des bombes dessus, soit vous lui mettez des coups d'épée, peu importe, le but c'est vraiment de pouvoir l'éviter. Et pour cela, eh bien il faut vous cacher dans ce coin de la pièce. Voilà, donc boss battu, ce gros chat va nous donner deux objets, pomme chapie perdue, donc le petit chat rouge qu'on va ramener au niveau de la place centrale, et puis évidemment un fruit de cœur qui va nous permettre d'avoir une plus longue durée de vie. N'oubliez pas, vous l'arrosez et vous la ramassez.
Dans cette pièce, deux choses à prendre, la bombe de peinture qu'on va donner ensuite au monsieur souhaitant faire un graffiti, et on va rallumer le générateur. Ce générateur, une fois rallumé, va nous permettre d'obtenir l'objet suivant pour le maire, à savoir la fourchette. Très important de parler au père Patate, parce que ce père Patate va nous permettre d'avoir un dialogue avec son fils que nous allons croiser un tout petit peu plus tard. Et ce dialogue et ces va-et-vient, parce que vous verrez qu'il y en a beaucoup, vont ensuite nous permettre d'obtenir deux chapeaux. On va donc ramener le petit chat à sa maman et sa maman va ensuite nous donner un dessin de manga que nous allons prendre plaisir à déchirer et ainsi obtenir notre prochain succès qui s'appelle Waifu. «
Voilà, donc après avoir donné la fourchette, mes rognons veulent de la gelée, pas de problème, on va donc aller la chercher. Avant de partir sur la gauche pour rejoindre le laboratoire d'Annie, on va d'abord ramasser le téléphone de Sana. Ce téléphone, on va lui donner un petit peu plus tard. Ne vous en faites pas. Autre affiche que nous allons déchirer, un autre wanted qui s'appelle donc Devile. Nouvelle mécanique de jeu où, grâce à votre arrosoir, vous allez pouvoir créer des portail vous permettant donc de vous téléporter d'un endroit à un autre. Alors les portails ne restent pas actifs très longtemps, donc il faudra être assez rapide, mais voilà, vous voyez qu'en arrosant les deux, eh bien vous pourrez ensuite passer d'un endroit à un autre. Puzzle où j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'il fallait faire, ou du moins comprendre quel portail il fallait activer. Donc le but ici, c'est de pouvoir exploser la pierre là-bas, mais pour ça vous devez donc illuminer donc deux portails. Donc ça, pas de problème, vous voyez que le petit objet explosif y va. Ensuite vous avez trois à portail et vous devez activer deux portails vous permettant l'explosion de ces trois rochers là. Et moi j'ai mis du temps à comprendre que en fait vous ne pouviez arroser que deux portails à la fois. Je vais vous donner l'indice tout de suite, enfin la solution tout de suite, vous verrez, ça va être moins compliqué une fois que vous verrez le comment du pourquoi. Voilà, donc je vous cache pas que j'ai mis entre 5 et 7 bonnes minutes hein, avant de comprendre la mécanique. Donc je vous épargne tout ça et comme ça je vous amène à la section suivante.
Alors, comme le cochon, le cerf est pareil, il va se mettre à charger et vous pouvez l'attaquer au moment où il a fini sa charge. Alors, vous me voyez souvent changer d'ustensile avec l'inventaire en appuyant sur X, mais comme ça, c'est ma manière à moi aussi de vous montrer quel objet j'utilise, mais vous pouvez changer les objets qui sont à savoir l'arrosoir et l'épée pour l'instant en utilisant LB et RB. Vous serez beaucoup plus rapide que moi. Moi, je le fais pour la simple et bonne raison que de cette manière, vous voyez ce que j'utilise. Ici, le dessin de la fresque que nous avons donc récupéré et qu'on va pouvoir ramener à Annie afin d'aller dans l'aventure suivante. Attention, le verre, ça brûle. Voilà donc un autre cerf qui est présent, un tout petit peu plus gros que celui que nous avons croisé, précédemment. Pareil, attendez qu'il charge et ensuite attaquez-le à l'épée. Évidemment, là je suis pas très douée, hein, mais voilà, la mécanique, je pense que vous l'aurez comprise. Le fameux pétale portail.
Une bonne galère, dans le sens où cet instrument-là va vous permettre de créer des portails au nombre de deux, je vous le rappelle, deux maximum, et ainsi pouvoir transporter ou des objets ou vous-même où vous le souhaitez. Dès ce moment-là, en fait, je vous conseille vivement d'alterner entre RB et LB pour pouvoir utiliser le portail et votre arrosoir. Ce sera beaucoup plus simple que moi qui à chaque fois passe par l'inventaire. Vous verrez que c'est quand même bien galère. Donc voilà, RB, LB et alterner entre le portail, l'épée et votre arrosoir. On va maintenant affronter notre troisième boss, un cerf, comment dire, radioactif, certes. Et là, pareil, la mécanique des cerfs est que, voilà, il va charger, à vous d'attendre qu'il ait fini de charger pour l'attaquer. Pareil, c'est soit l'épée, soit avec les bombes. Moi, je vous conseillerais plus d'utiliser les bombes. En plus de ça, vous avez évidemment des petits lapins qui sortent des fourrés, qui, eux, viennent vous gâcher l'expérience de jeu. Bref. Rien de bien, bien sympathique. Donc voilà, essayez d'attirer le cerf vers le haut, le bas, à gauche, à droite. De cette manière-là, vous pourrez ensuite l'attaquer avec les bombes, puisque les bombes vont venir exploser les barils radioactifs et donc
infliger plus de dégâts au cerf, mais libre à vous de l'attaquer effectivement avec votre épée, sachant que vous ne pouvez pas aller dans les zones de gelée puisque ces zones de gelée sont mortelles pour vous. Voilà, donc on va pouvoir ramasser notre huitième fruit de cœur. Je vous rappelle qu'il en faut 12 pour obtenir le succès, donc ça, pas de problème. Et je vais tout vous montrer. Nous avons donc affronté notre troisième boss. Il nous manque plus qu'un dernier boss. Je vais pas trop vous spoiler, mais voilà. Un dernier boss. Et puis ensuite, eh bien ma foi, nous allons gentiment nous diriger vers la fin du jeu qui, vous verrez, est assez surprenante. On va donc ramener cette fameuse gelée à Marie. On va donc pouvoir ramener plusieurs choses, à commencer par cette petite feuille comme quoi cette jolie cupule est propriétaire. On va aussi ramener le téléphone de Sana à Sana et donc apporter cette fameuse gelée au maire. Thank you.
Voilà, donc on va commencer par aller rendre le téléphone de Sana à Sana. Elle va nous donner un document donc, que nous allons déchirer. Nous allons aussi rendre visite à notre ami, je sais pas, graffeur, je crois que c'est comme ça qu'on dit, afin de lui donner la bombe de peinture. Ce dernier va nous donner un autre cœur afin de pouvoir atteindre ces fameux 12 cœurs et donc le succès. Et une fois que nous aurons fait cela, on revient en arrière et nous allons parler à la Myrtille pour lui dire que nous avons un client qui est propriétaire. Donc, ce titre de propriété que nous venons d'obtenir, on va devoir le ramener à la fameuse cupule et comme ça obtenir un autre succès. Bon bah voilà, on va déchirer le titre de propriété, on est cruel, hein, mais cela étant, c'est un titre de propriété qui est bien particulier, avouons-le. Donc là, on va pouvoir enfin donner cette fameuse gelée au maire Oignon et ainsi débloquer la dernière section du jeu. Thank you.
Alors, dans ce cimetière, vous ferez bien attention parce qu'en fait, il y a un chemin bien spécifique à prendre. C'est-à-dire que si malheureusement vous vous trompez de chemin, eh bien vous revenez à la case départ. Donc, suivez bien les indications de l'ami Citrouille. Et puis, n'hésitez pas non plus à casser avec votre épée les pierres tombales. Parce que voilà, vous le voyez ici, j'ai débloqué un nouveau chapeau haute forme. Donc notre ami Citrouille nous a parlé d'arbres pourris. Les seuls arbres pourris qui encerclent l'entrée, c'est tout en haut. Et ensuite, eh bien, on va se diriger vers le deuxième indice de notre ami Citrouille. Donc, le soleil se couche à l'ouest et donc nous allons nous diriger vers la gauche. Vous l'aurez compris, jaune, ce sera vers le haut. Alors ici un peu plus compliqué, vous avez plein de citrouilles, certaines vont dire que celui du dessous, à gauche, à droite, en haut mente, d'autres disent la vérité. Donc si vous voulez vous amuser à faire le jeu de déduction, il n'y a pas de souci. Si vous avez le même que moi, je pense que oui, et sans vous spoiler trop, mais en gros il faudra vous diriger vers le haut.
Voilà, donc on a enfin trouvé la fameuse pelle, donc donner un coup d'épée et ensuite parler avec notre ami Pomme de Terre, ici présent, qui va finalement nous donner sa vieille pelle en échange de lui avoir trouvé cette nouvelle pelle. Et avant de partir, on va parler à Tat. Vous vous souvenez pourquoi, mais dans la maison glacée, il y avait un vieux monsieur Pomme de Terre qui disait que son fils venait à revenir et... je vous cache pas qu'en fait il s'agit de lui. Nous avons donc obtenu une lettre et il s'agira de faire plusieurs fois l'aller-retour entre Pat et Tat, patate, afin d'avoir deux chapeaux supplémentaires. Mais nous ferons les trois derniers chapeaux qui nous restent un petit peu plus tard parce que comme ça, nous retournerons dans la maison de glace pour une bonne raison, vous verrez. Pour l'instant, on va juste poursuivre notre aventure et ainsi atteindre ce quatrième boss. Chut. Dans ce bunker, vous voyez l'ombre d'un fantôme qu'il faudra donc suivre tout en éliminant les ennemis qui se présentent à vous. Donc ces petites canettes, ne vous en approchez pas trop parce qu'elles se mettent à trembler et si elles se mettent à trembler, vibrer, en gros, elles vont venir vous attaquer. Donc soyez cool. Ici, nouvelle mécanique de jeu, c'est le feu. Vous voyez que là... Vous êtes trop près, mais voilà, pour allumer le feu, en gros, il vous suffit simplement d'arroser et ensuite nous aurons la possibilité d'avoir un accessoire qui nous protège du feu. Mais pour l'instant, voilà, simplement utilisez votre arrosoir pour allumer le feu et éloignez-vous le plus rapidement possible. Ici, nous allons juste revenir un petit peu en arrière dans la pièce précédente avant d'aller plus loin. Partez sur votre droite, vous avez une teinture pour fan que nous allons donner un petit peu plus tard à notre ami le coiffeur, la carotte. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va pouvoir continuer notre chemin, mais au moins nous avons récupéré cette fameuse teinture. Maintenant, nous allons en haut et reprendre évidemment l'exercice précédent. Donc vous allumez bien le feu avec votre arrosoir et vous vous éloignez le plus rapidement possible. Voilà, donc le but était plutôt de placer la pastèque entre le feu et les barrières en bois, mais bon, j'ai utilisé moi de pastèque, de conducteur, il n'y a pas de problème. Mais voilà, essayez de ne pas perdre trop de vie, donc placez bien la pastèque entre la fameuse boule de feu et la porte à détruire. «
Ici, malheureusement, vous n'aurez pas le choix autre que de faire office de conducteur comme je l'ai fait dans la pièce précédente, hein, afin de détruire toutes les caisses en bois et de récupérer non seulement la clé mais aussi l'accessoire qui nous permettra d'être invincible face au feu. Donc là, ma foi, eh bien, allumez le feu et mettez-vous entre les caisses et le foyer de feu. Voilà, même procédé, il va falloir allumer le feu et ensuite marcher vers les caisses en bois pour les détruire afin de pouvoir avoir suffisamment de temps et d'espace pour placer la pastèque afin de combler le trou dans le plancher. Mais là, comme vous êtes invincible, eh bien, vous ne craignez plus rien et vous ne risquez pas de perdre de vie. Lise, votre quatrième boss est également radioactive et elle possède évidemment son propre pattern d'attaque. Elle en a quatre. Une main qui peut vous ramener à elle. Une deuxième main qui, lorsqu'elle tape, crée des ondes de choc radioactives. Elle peut aussi vous balancer comme une sorte de tuyau de plomberie, donc c'est plutôt du corps à corps. Mais elle pourra également faire des flaques d'acide autour d'elle. Évidemment, il ne faudra pas marcher dedans. Donc, pour ma part, j'ai choisi le feu. Et vous voyez dans mon jeu que j'attends vraiment le bon moment pour pouvoir l'attaquer lorsqu'elle est un peu plus au repos et que j'ai le sentiment que son halo verdâtre est un peu plus lumineux. Donc encore une fois, nous allons ramasser le fruit de cœur et ensuite nous rendre dans la pièce suivante pour collecter la fameuse pièce demandée par le maire Oignon, à savoir le pointeur laser. Thank you.
On va donc se rendre sous la serre et sous la serre, il y aura les derniers collectibles à ramasser concernant les documents à déchirer. Vous voyez qu'ici, j'interagis avec la boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres vous donne certains accessoires de chapeau. Je ne pense pas qu'ils soient tous nécessaires de les avoir afin de débloquer le succès. J'ai vu sur internet que plusieurs parlaient des oreilles de chat. Donc, dans le doute, en tout cas, allez jusqu'aux oreilles de chat et ensuite, nous allons pouvoir continuer notre périple. Dès maintenant, nous allons donc ramasser notre tout dernier document et nous allons aussi provoquer la fin du monde avant de pouvoir affronter le Méronion. Le succès anarchiste est bien plus tard. Pour des questions de pratique, en fait, j'ai fait un montage sur cette vidéo. Donc, en réalité, il manque encore un dernier document et votre succès anarchiste apparaîtra à ce moment-là. Pour provoquer la fin du monde, il vous suffira simplement de taper sur le missile à plusieurs reprises avec votre pelle. Donc allez-y, encore une fois, plusieurs fois, et surtout restez bien à côté. Donc là, cliquez sur réessayer, on va revenir au point de départ et nous allons pouvoir continuer notre chemin et affronter, donc comme je vous l'ai dit auparavant, le Méronion. Thank you.
Voilà, c'est ici que devraient donc peuper vos deux succès, à savoir Turnipchino et celui d'Anarchiste. Voilà. Voici donc le buzz final, le maire Oignon. Alors, rien de bien compliqué en soi, en fait, parce que l'esquive et le mouvement perpétuel seront vos deux clés pour en venir à bout. Donc, ma foi, faites au mieux avec le bouton A en essayant de foncer et avec votre pelle pour l'assommer. Et puis, bonne chance, quoi. Bon bah voilà, Mère Oignon a été vaincu une première fois. Vous pensez bien qu'on va essayer de le battre une deuxième fois avec d'autres mécaniques de jeu. Là pareil, il va falloir esquiver et être assez rapide avec le maniement de vos armes. Donc n'hésitez pas à utiliser LB et RB. Le but étant d'aller de gauche à droite afin de donner les bombes aux subalterne, on va dire, du maire Oignon, et ensuite de revenir au centre. Vous partez soit à droite, soit à gauche, comme bon vous semble. Moi, pour ma part, je pars plutôt vers la droite, et ensuite je me dirigerai tout à gauche. Donc voilà, c'est vraiment ce dernier boss où tout ce que vous avez appris, toutes les compétences que vous avez apprises ici vont pouvoir servir. Donc ici, rien de bien compliqué. D'abord, il va falloir éviter les fourchettes radioactives, évidemment. Ensuite, vous allez discuter avec Brad, le radis, et finalement, lui donner donc cette fameuse bombe en la lui balançant sur lui afin qu'il puisse détruire son boss. Regardez, hop et hop, voilà. Une fois fait, eh bien, ma foi, il va falloir aller vers le bas et vous frayez un chemin vers le bas pour pouvoir rejoindre l'opposé, à savoir l'extrémité de la gauche, pardon.
Voilà, pareil avec Vladimir le radis, vous allez aussi lui balancer la bombe. Et une fois que c'est fait, on va revenir au centre pour la dernière attaque. Allez, l'attaque finale, c'est parti! Vers le bas se trouve la bombe, let's go! Voilà, mes rognons battus, alléluia, on a déchiré notre tout dernier document, ce qui nous a permis d'obtenir le succès Home Honor, mais ce n'est pas tout, il nous en reste encore 5, dont celui en lien avec les chapeaux, puisqu'il nous manque encore 3 chapeaux, je vais vous montrer. Et puis, il y a une sorte de DLC, mais qui fait quand même partie du jeu, puisque le jeu fait 1000G, où il faudra aller dans un monde suivant. Et là, vous verrez, ça va être un peu particulier, mais je vais vous expliquer tout ça, ne vous en faites pas. Je coupe le générique parce qu'il est quand même assez long, et on se retrouve tout de suite après. Donc on va se rendre auprès du coiffeur pour lui donner aussi la teinture. Cette teinture va nous permettre d'avoir un autre chapeau en forme de ciseau qui nous manque. Et puis on va faire l'aller-retour entre le fils et le père patate, mais aussi voir notre ami mafioso qui est enfermé dans le bocal à cornichons, qui nous donnera également le troisième chapeau. Et tout ceci nous permettra ensuite d'obtenir des cœurs et notamment le succès parce que nous avons obtenu nos 12 cœurs. C'est parti! Alors on commence tout de suite par se rendre chez notre ami coiffeur. Avant d'aller plus loin, nous allons nous rendre sur la droite, puisque nous avons maintenant la capacité de créer des portails. On va utiliser cette compétence afin de récolter notre 10e cœur.
Nous allons donc rendre visite au gang de la Saumure à travers cet établissement dont j'oublie toujours le nom. Mais voilà, suivez bien le chemin que je prends et puis nous allons pouvoir obtenir du coup notre avant-dernier chapeau. La fameuse carotte louche, c'est celle qui se trouve près du vendeur de sandwich, du coiffeur, etc., etc., tout en bas de la map suivante qui se trouve donc à gauche de ces vendeurs. On va maintenant s'occuper de la relation patate père-fils. Donc on va faire pas mal d'allers-retours, mais ces allers-retours vont nous permettre d'obtenir nos deux derniers chapeaux et donc le succès de Fashionista. Le gang de Saumure vous donnera votre 11e cœur et pour cela, eh bien, il vous suffit simplement de sortir du bâtiment et de re-rentrer. De cette manière, vous verrez en revenant en arrière que eh bien, le gang s'est échappé et donc laisse place à votre 11e fruit de cœur. On va maintenant pouvoir parler à Père Patate. Donc voilà, vous vous souvenez après avoir obtenu l'appel de Fils Patate que celui-ci nous a donné une lettre. Là, nous venons tout de suite de donner la lettre à Père Patate. Ce dernier nous redonne à nouveau une lettre que nous allons devoir redonner à son fils et ainsi de suite. Son fils, normalement, devrait pouvoir nous donner un chapeau et nous allons retourner pour la dernière fois auprès du père pour que ce dernier nous donne lui aussi un chapeau et donc le succès, encore une fois, de Fashionista.
Succès fashionista débloqué, c'est tout bon. Il nous manque encore le succès tank. Tank, c'est là où vous avez vos 12 cœurs. Pas de problème, on va se rendre, vous vous souvenez, à la sorte de grotte où se tenait auparavant le chien qui nous disait qu'il était impossible d'y pénétrer avant que le jeu ne soit complètement terminé. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, on va s'y rendre. Et si tout va bien et si vous avez tout obtenu comme moi, eh bien, vous devriez y trouver votre dernier cœur. Si ce n'est pas le cas, si vous avez oublié quelque chose, un chat noir apparaîtra vous disant que justement, il vous manque certains éléments du jeu. Voilà, tank, c'est fait. Nous pouvons maintenant nous rendre dans le monde entre guillemets suivant où là nous allons faire les trois derniers succès qui nous manquent. Ce passage se trouve là où se trouvent tous les vendeurs, mais avant il nous faut le billet et pour ça vous allez cliquer sur votre boîte aux lettres vous permettant l'accès au train. Et ensuite obtenir, comme je vous l'ai dit, vos trois derniers succès. Et je vais vous expliquer tout ça. Pour le succès Passenger, rien de bien compliqué, il vous suffit simplement de monter dans le train et de laisser les petites bébêtes vous tuer. Nous allons maintenant obtenir notre succès conducteur et pour ça, écoutez-moi bien, cette section de jeu est comme un Souls-like, c'est-à-dire que vous avez vos 12 cœurs, si vous récupérez un peu de vie, tant mieux, sinon tant pis, vous mourrez et si vous mourrez, ma foi, vous devrez tout recommencer depuis le début. Le but étant d'affronter les vagues d'ennemis afin d'ouvrir les portes pour les wagons suivants. Vous reverrez de nouveau les trois boss que vous avez vus auparavant, à savoir le cochon, le chat et le cerf. Et votre quatrième boss sera de nouveau votre ami l'oignon, où là, encore une fois, il va falloir le battre pour obtenir votre succès conducteur, à condition évidemment que vous ayez gardé un maximum de vie pour l'affronter, parce que lorsque vous l'affronterez, vous n'aurez pas la possibilité de remplir de nouveau votre jauge de vie. Mais je vais vous donner une astuce pour cela, ne vous en faites pas. Avancez, 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 soyez très prudent, ramassez tous les cœurs que vous pouvez, mais surtout prudence et choisissez bien les accessoires qui vous accompagneront tout au long de votre périple. Thank you.
Voilà, donc on va affronter notre ami l'oignon sur rice. Enfin, on a l'impression d'être dans la matrice avec plein d'univers, c'est assez marrant. Bref, comme tous les boss, il a un pattern bien particulier. Il va vous attaquer une première fois, vous l'esquivez, coup de pelle. Il va vous lancer ensuite 3 shuriken, donc esquivez les shuriken et lors du troisième, coup de pelle. Ensuite, il va de nouveau vous attaquer avec son sabre, donc pareil, vous esquivez, coup de pelle. Et ensuite, vous le voyez ici, eh bien, il va vous lancer des attaques horizontales. 3 attaques horizontales, donc pareil, montez, descendez afin de l'éviter, et ensuite, de nouveau, le processus se répète, et ainsi de suite. Vous verrez, je pense que le boss se bat en 3-4 minutes, easy. N'oubliez pas vraiment les esquives, parce que comme je vous l'ai dit, votre vie ne va pas se régénérer, vous n'avez aucunement la possibilité de remplir vos cœurs. Donc l'esquive est vraiment le maître mot de votre combat avec cet oignon sur rail. Prochain succès un peu particulier puisqu'il s'appelle 3 points d'interrogation. Le but est donc de rencontrer votre double maléfique. Mais pour cela, écoutez-moi bien, il y a une petite astuce. C'est que nous devons faire encore et encore et encore cette même ligne de train et affronter encore une fois l'oignon sur rail. Alors, pour ma part, j'ai dû le tuer en tout et pour tout 4 fois avant de tomber dessus. C'est très aléatoire.
Pour cela, ne vous en faites pas, il y a une astuce qui consiste à vous rendre invincible grâce aux options que je vous montre, que vous pouvez activer. Comme ça, vous pourrez du coup affronter tous les ennemis sans crainte de mort. Pour cela, donc, allez dans les options du jeu et puis ensuite dans menu. Vous avez force du joueur, vous allez mettre 3 fois et ensuite invincibilité, oui. Ça va vous permettre donc d'affronter les ennemis qui viennent de plus en plus forts sans peur de mourir puisque votre barre de vie ne va pas changer. Vous devrez donc faire cette ligne de train en continu jusqu'à tomber sur ce fameux double maléfique que je vais vous montrer. Comme je vous l'ai dit, il m'a fallu affronter en tout et pour tout notre ami Oignon sur rail 4 fois, mais je vais pas vous montrer les 4 lignes parce que sinon voilà, je risque de vous endormir. Mais voilà, pensez bien à activer cette option. Vous voyez, moi les ennemis me touchent, aucun problème, je ne perds aucunement ma vie. Et donc faites ceci encore, encore et encore jusqu'à tomber sur votre double maléfique que je vous montre là à l'instant. Voilà, donc vous devez tomber sur ce personnage là. Comme vous êtes invincible, pas de problème, il peut vous toucher. Vous ne perdrez aucunement votre vie et ne risquez donc pas de mourir. Tapez-le simplement, voilà, et vous obtenez enfin votre dernier succès. 3 points d'interrogation. Et voilà, le jeu est terminé, vous avez vos 1000 G, bravo, en un peu plus de 2 heures, mes félicitations. En tout cas, moi, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo ou à commenter, je réponds toujours très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch, je suis aussi sur Twitter si jamais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.